Bon, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour moi, ça va être pêche à la mouche en sèche. Alexis est en train de monter sa canne à nymphe, il va pêcher la veine qui est juste là. Tac. Et moi, j'attends qu'il y ait des gobages. J'ai repéré pour l'instant deux poissons qui ont gobé une fois. L'éclosion commence tout juste. Il doit être midi. Donc on est encore tôt, ça va durer normalement à peu près 2 heures. En espérant qu'il y ait des poissons qui se mettent en activité et que l'éclosion soit de bonne qualité et qu'il y ait vraiment de la mouche. Ah, il y a plusieurs mouches qui me passent à côté, ça commence tout juste. On va voir si les poissons sont là et on va essayer de faire quelques poissons en sèche. Allez, c'est parti. Bon, je viens de manger, il y a un poisson qui a gobé 3 fois. Hop. Je vais essayer de la tenter en sèche. Vent, ça va pas être facile. J'ai mis 2 petites sèches. Elle monte pas régulièrement, elle est juste montée 3 fois en 15 minutes. On va voir. Oh, je l'avais. Oh, on m'a niqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a cassé. Oh, elle m'a cassé. Sur la potence, elle est montée sur la queue de canard. Ah, dommage. Hey, j'ai un poisson qui a coupé devant. Oh, il a coupé qu'une fois. Mais je vais la tenter. Je l'ai loupé. C'est pas la bonne mouche, pas possible. Alors, là j'ai repéré 7 poissons qui gobent. Je vais m'avancer tout doucement pour pouvoir commencer à essayer de les pêcher. Je vais vraiment m'avancer doucement. Dès qu'il y a un petit coup de vent qui fait friser l'eau. Pour se mettre dans une position. Je vais repérer 7 poissons qui sont accessibles au niveau lancé. Après il y en a d'autres qui gobent plus haut. À la regobée. Quelques bytis. Donc elle est dans cette direction. Là-bas, ça a regobé. Je vais me décaler un peu à droite. Moi je pourrais tenter ces poissons là et je ferais pas peur à celle-là. Paf, allez. Celle-là on va arriver à porter. Oh, le vent, il va m'emmerder. Oh, là-bas. Non, c'est pas une grosse là-bas, mais... Ouf. Elle est montée. Oh, comment je l'ai loupé? Comment c'est possible? Y a pas le droit. Ah, décroché. Elle est remontée. Mais c'est pas possible. Là je l'ai décroché. L'autre je l'ai loupé. Avant je l'ai loupé.
Là par contre je l'ai senti au bout. Celle-là c'est mort. Bon, elle est montée. Fichonne. Va pas trop par là-bas. Je suis en 12 centièmes. On va y aller tranquille. J'ai pas envie qu'elle aille faire peur à toutes les autres. C'est un beau poisson. Hein. C'est un poisson qui est pas loin des 40. Hein. Voilà. Pouf. Ah, une action. C'était beau. Ça, c'était une belle action. Un beau poisson. Voilà. Ah, un poisson de 40, hein. Voilà. Trop cool. Allez. Repars, ma cocotte. Trop cool. Allez, il y en a d'autres à faire. Il y en a une qui a regobé juste là, là. Je vais changer mon cul de canard. Il y en a une qui a regobé juste là, là. Je vais changer mon cul de canard. Donc j'avais un corps olive. J'en remets une autre avec un corps olive. Et un peu moins de charnu. J'ai celle-là aussi si jamais. Je vais essayer avec celle-là. Ça, ça me plaît ça. C'est un petit poisson. Un petit poisson. Elle est où? Ah, ben là, elle est à sa place, la mouche. Elles sont sur les marches brown. Hop, yes. Je fais le petit poisson. Il y a des marches brown partout. Elle m'a mis un démarrage. Non, je pense pas qu'elle soit énorme, mais. Oh, quoique. C'est pas dégueulasse ça. C'est pas énorme.
Mais c'est pas vilain. Eh, quand même. Hein. Sinon, je vais pas m'en sortir. Il y en a qui gobent de partout. C'est pas le moment. Allez, reviens. Alors, on l'a pris bien profond, la petite mouche. Voilà. Un joli poissonnet. Elle est complètement folle celle-là. Que t'es folle. Elle a sauté en l'air quoi pour choper ma mouche. Complètement tarée celle-là. Allez, il y en a une qui bloque pas loin. Elle est pas montée là. Oh, je le vois en plus là. Je l'ai. Ils ont la patate. Hein. Ils sont pas énormes. Ils ont une patate. On voit pas, elle est là. Ah, décroché. Parfait. Au moins, ça c'est fait.